J'ai pas compris. Akio s'il s'est fait ban, sérieux? Après, je pouvais pas vous répondre, tu vois, je pouvais pas vous répondre. C'est pas un stream perso, tu vois.
regarde, pourquoi ça... Allô? Ouais, mais c'est parce que je buguais, ouais. On m'entend, là? En fait... Putain, c'est le Hangout qui m'a... Alors, ah mais c'est bizarre. Ok, est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux ou c'est trop fort? Est-ce que ça vous nique les oreilles ou pas? Parce que là, je pense que je suis trop fort. Et là, c'est comment? Il y a pas... Attendez, 85 là. Là, ça doit être mieux là. Vous entendez Charles à côté? Non, c'est impossible. Charles, il est dans la chambre. Alors là, vous entendez Charles? Ok, dites-moi si c'est mieux. En fait, c'est... Putain, j'ai dû aller sur Hangout pour capturer la cam et ça m'a tout enculé mes settings de mon son. Parfait, parfait. Ok, nickel. Merci pour les follow. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup à vous. Yop, poupette, yop à tout. C'est vrai, vous l'entendiez? Chroniqueur le stream. Aïe, 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 Barbara Akari. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, les potes. Merci infiniment. Putain, en vrai, en plus, j'ai gagné contre Jun et tout. Oh là là, les gars, la régalade. Non, c'était giga cool, les gars. Je peux plus dire mob de merde, Barbara. Putain, mais ouais, de ouf. Mérite la summon Syrah là par contre, Goapi Pack, aïe aïe aïe. Mec, le problème, alors... Le problème c'est que... En fait, il y a deux problèmes. Le premier problème c'est que ce pack de merde, il a rip-hop.
Et du coup, si je fais bien le calcul, ça me fait 2700 cristaux. Ça me laisserait 200 cristaux pour farm, c'est pas énorme. Mais ouais, il y a moyen que ces packs-là, ils survivent pas à la fin de la semaine. Ouais. Ah, c'était hyper cool. Franchement, j'ai bien kiffé. On a les 3 vœux, les gars. Yo, Slydox, merci beaucoup, mec. T'as les bails des deux packs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai dit ça. Ah, faut que j'enlève l'émission. Autre truc à régler, du coup. Alors. Ça. Timers. Le stream. Petit. Bon, bah, j'ai eu 10 000 mana, ok. Yo, Ikuka. Go to buy. Aïe aïe aïe. Oh putain, presque. Yes, les cristaux. Ah ouais, je pensais pas gagner contre le Juna. Il a eu deux fois le first pick Vanessa, ce bâtard là. C'était chiant, hein. Yo Richta, c'est vrai, ça vous a plu? Bah c'est les principales, si ça vous a plu, c'est cool. Moi j'ai surkiffé en vrai, c'est un peu impressionnant au début, mais en vrai c'est ouf. J'espère pouvoir y retourner une fois post-confinement pour être vraiment sur le plateau et tout. Je pense que sur le plateau ça doit être encore plus de la folie. Mais déjà rien que là à distance c'était que du plaisir quoi. Bon là j'ai mal draft, hein. Là j'aurais pas dû prendre Amelia, mais le problème c'est que je savais pas comment réagir parce que je savais qu'il allait être plus rapide que moi et je savais pas quoi faire. Best pub, carte quand même. Bah pff, ouais, après le truc c'est que... Bah le souci c'est que... Il fallait quand même... En fait le truc c'est qu'il faut être critique, tu vois. Le but c'est pas de vendre des applis, le but c'est de présenter des applications. Mais une application elle peut être bien comme elle peut être pas bien, tu vois. Et moi Mario Kart c'est un jeu que j'avais beaucoup attendu... Et qui m'avait beaucoup déçu, et du coup, bah, je pense que c'était important, tu vois, d'en parler, quoi. Même sur le plateau avec la capuche, aïe, 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 aïe. En vrai, vous savez que j'avais grave froid, sa mère, hein. Je me pelais les couilles, hein, j'étais en t-shirt, j'avais qu'une envie, c'était remettre mon putain de manteau, là, mon putain de... Bon, vas-y, faut que je puise mon énergie, là, on a plein de trucs à faire, les gars. Passe un peu de RTA, enfin, il y a plein de trucs à faire. Revoyons les fights. Ouais, on va revoir les fights, les gars. Je clean un petit peu mon énergie, etc. Et après, on se remat les fights, si vous voulez. À part Mana le hater, dans le chat, il n'y avait pas de genre de dégâts pour ta première, c'est cool. Ouais, ça va. En vrai, les... Alors, Mana, il trollait, hein, évidemment. Mais c'est vrai que je regardais un petit peu... Alors, j'ai hésité au début. Je me suis dit, est-ce que je mets le chat ou pas? Est-ce que ça va pas me déconcentrer? Est-ce que ça va pas me jinx si jamais il y a quelqu'un qui critique, etc. Tu vois, genre, ça va me foutre au fond. Et en vrai, ça va, hein. Tu as pas vendu, tu l'as défoncé. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est parce que Gigi, il a surenchéri, tu vois. Si Gigi, il avait pas surenchéri sur le fait qu'il était merdique et que ça l'avait déçu, ouais, je serais pas allé dans son sens, tu vois. Je l'aurais présenté un peu plus, on va dire, de manière totalement transparente et objective. Et comme lui aussi l'avait testé, bah forcément. Un bonnet comme la Gige. Ouais, mais t'as vu, lui, ça lui va bien les bonnets. Moi, si je mets un bonnet, ça me va pas bien, tu vois. Mais je peux essayer, hein, je peux essayer. Pour de la capuche. Ouais, en vrai, c'est tellement mieux d'avoir la capuche. Yo, Heroic. Idée du nombre de points final pour faire G1. Je t'avoue, j'ai pas encore re-regardé aujourd'hui, j'ai même pas regardé comment ça avait évolué, mais j'ai peur qu'il faille minimum 1800 points, et peut-être même que 1800 points ne va pas suffire, donc j'en sais rien.
Yo SK, comment tu vas? Halloween, Conjun et Saiyan. Eh, tu sais que. Ouais, j'ai vraiment. J'ai galère, hein, parce que franchement, c'est chiant. Hein. Eh ouais, regarde. 2100. 2100, les gars. Yo, Sed. Ouais, Takeos. Alors, Takeos, tu t'es fait time out. J'ai même pas vu pourquoi tu t'es fait time out. Aïe, aïe, aïe. Notre personne qu'on pourra demander pourquoi tu parles d'une application que t'aimes pas. Ah ouais, de Mario Kart, on parlait. Par contre, notre troll l'a dit, je t'ai envoyé 2-3 appels du pied pour arrêter de dire. J'avoue, j'avoue. Ouais, vous voyez, ça monte de ouf, hein. 2100 là. Donc, il reste combien de jours, les gars? Il reste 3 jours et 16 heures. Ouais. Ça va faire que augmenter. À mon avis, il faut viser le 1810 points, je pense. Pour être tranquille. Ouais, c'est chaud, hein. T'as la pression qu'on te joue un peu ou pas? Bah, la pression, oui et non. Enfin, le truc, c'est que je sais exactement ce qu'il joue, je connais son compte, il connaît le mien, donc c'est vrai que c'était un peu, comment dire? Je pense, enfin, on a déjà joué l'un contre l'autre, donc on connaît nos box. Après, il n'y avait pas vraiment de possibilité de surprendre, tu vois. Et en vrai, une fois que j'ai le pick Vanessa, je pouvais me permettre d'outspeed. Et encore, j'ai choisi de ban Saloren, parce que Saloren, je pense qu'il s'appuie trop dessus. Et ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça va, c'était pas méchant, quoi. J'avoue, j'ai bien résisté sur mon Daphnis. Bon, après, lui, il a résisté sur sa Syrah, mais. Yo, Manotte, comment tu... Mais ouais, en vrai, là, ce combat-là. Je sais pas, il a voulu sortir ma. Là, je pense qu'il a voulu directement sortir ma Barbara. Là, il a eu de la chance parce qu'il a proc ma vie. Ouais, d'ailleurs, comment il a proc ma vie? Il a fait beaucoup de dégâts, là. Sa Syrah, je la laisse à 2 points de vie à chaque fois. Il a toujours pas terminé le. Là, le problème, c'est qu'il s'acharne sur la Barbara. Et qu'il a un peu oublié le Daphnis. Et au final, c'est le Daphnis qui va le baiser, quoi. Et là, une fois que j'avais repris l'immune. En fait, une fois que j'avais réussi à tempo, c'était win, quoi. Ma Barbara qui régale, 27K. Bra, bra. Le deuxième combat, par contre, j'ai rien pu faire. Le deuxième combat, il avait le lead Vanessa. Je me suis fait outspeed et j'ai trop subi. Et mon pick Amelia était pas bon. Genre vraiment. Je pense que en last pick, j'aurais dû sortir autre chose. Tu vois, quand il a le first pick comme ça, bon, Daphnis Triana, pourquoi pas. Et encore, c'est trop ballsy parce que je sais qu'il m'a outspeed de partout. Je sais que j'avais pas le premier tour et en fait, je l'ai trop laissé cycler. En fait, Yung Hong, Verdeil, Lorenz, ça cycle trop. Même Syrah avec des lead speed, c'est impossible. En fait, ça cycle beaucoup trop. Ouais, il a rage kill sur le premier combat. Ouais. Et là, ouais, le problème c'est que j'arrive pas à tanker. Je pensais vraiment tanker, mais au final, non, parce que j'ai pas assez de speed, j'ai rien. En fait, j'ai rien pour booster la speed chez moi. Et je pense que quand j'ai vu qu'il partait first pick Vanessa, j'aurais pas dû partir sur le Daphnis. J'aurais dû partir sur Verde Lorraine instantanément en fait.
Parce que lui laisser Vanessa, Lorraine, Vanessa, enfin Vanessa, Lorraine, Verdeil, ça cycle trop en fait. Et il a une Yong-Ong derrière qui refait jouer, etc. Plus le lead speed, c'est pas possible. Tu peux pas outspeed ça. Enfin, tu peux pas outcycler ça. Et même avec l'Amelia, ça suffit pas pour virer le cycle. Et le dernier fight, j'ai bien rebound. Pareil, j'ai subi, j'avais pas le premier pick, donc je me suis refait niquer ma Vanessa, donc c'était un peu compliqué. Et là, j'ai changé, j'ai repris Fran Lorraine. Mais en vrai, j'aurais même pas dû prendre Fran. Là, j'aurais dû prendre Verdil Fran. Enfin, Verdil Lorraine plutôt. Et après, prendre Fran machin. Bon. Voilà, tenté comme ça, c'est passé comme ça. Le truc, c'est qu'il avait quand même 3 mobs feu. Même s'il a réussi à déglinguer mon singe très rapidement. Il a eu raison hein, de partir sur le singe. Le singe était un peu un bait en soi. Parce que du coup, il a waste tous ses trucs dessus. Et après, bah, heureusement, il strip pas ma Barbara. C'est vrai que là aussi, j'ai eu un peu de chance. Du coup, ma Barbara, elle lui a cassé le cul. Vraiment. Là, elle strip. Enfin, ouais. Là, elle a vraiment fait le café, quoi. Une personne pique Vanessa, ce qui est pas forcément sur une draft cycle. Non, pas du tout, mais par rapport au compte de June, je savais que si. Enfin, je savais qu'il jouait vers des Lorraine Yong-Ong à toutes les sauces, tu vois. Puisque c'est sa base de sa compo. Donc avec une Vanessa, enfin, c'est trop dur. Mais après, non, tu peux prendre Vanessa et jouer autrement. Pas forcément vers des Lorraine. Là, j'ai eu un peu peur, mais je me suis dit, non, de toute façon, ma Barbara va carry. Ma Barbara pouvait solo. Elle pouvait 1v2, là, normalement. Et derrière, c'est la wins. Donc, ouais, plutôt content, plutôt content. Et pourquoi ce titre? Bah, c'était le titre pour vous dire merci de m'avoir soutenu dans cette émission, le stream. Fort sympathique. Ouais, June, il est C2, c'est la chute aux enfers. Si, si, la descente aux enfers. Si, si, June, il a une Lorraine très très fast. Très 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 fast. T'es où la capuche? Ouais, bah j'ai hésité, puis après. Pour une première, je me suis dit j'allais y aller en mode T-shirt Summoner's War, comme on avait dit, tu vois. Mais bon, mais c'était fun, tu vois. Bon, il va falloir qu'on fasse de la RTA, les gars. Pas vous mytho. Et archi pas safe. Et archi archi pas safe. Ouais, sa Lorraine, elle est ouf. Hein. Sa Lorraine est vraiment ouf. Je sais pas s'il l'a gardée. Attends, peut-être qu'on peut la voir là. Pas si elle est sortie et si elle a son runage. Mais ça m'étonnerait qu'il ait gardé le runage dessus. Maintenant qu'il y a les runages RTA, machin. J'avoue. En fait, je suis tiraillé parce que d'un côté, j'ai envie de faire un petit peu de la RTA pour, voilà, pour essayer de monter à 1800 points. D'un autre côté, ma journée était tellement bien avec cette émission et tout, votre soutien, tout ça, que j'ai pas envie de tout gâcher en RTA, tu vois. Ah bah si, il l'a laissée exactement comme elle est. Et donc ça, c'est ça, Lorraine. Elle est monstrueuse, hein, vraiment. Violent Will, elle est incroyable, ça, Lorraine. 33 de speed. Hein. Par contre, là, faut que je lui dise, faut qu'il mette de la def, là. Pas qu'ils mettent des HP flat. 32 speed. Vous avez vu les runes qu'il a, sérieux? 28 de speed. Pas grave, Heroic, c'est pas grave. Enfin, vraiment, très très belle. Très très. Ah oui, il a pas mis de la def parce qu'en fait, elle manque de HP. Et il a déjà beaucoup de def. Attends, mais il a une rune def là, non? Ouais, il a une rune def, c'est pour ça. Du coup, il a préféré mettre des HP flat. Et effectivement, pour la. Ah, effectivement, pour le. Pour l'efficiency, il faudrait qu'il mette de la def ici. Def pour 100. Mais ouais, j'avoue, c'est les runes de sa Lorraine. Putain, mais qu'est-ce qu'elles sont. Mais vous imaginez que là, la Lorraine qu'il a en violent wheel, plus 187. C'est la Lorraine que j'ai moi en Swift. Je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité des runes. Regardez, un autre joke, hein. Regardez, hein. Ma Lorraine. Bon, pas, regardez, voilà. Ma Lorraine, elle a plus 188. Mais elle est en Swift. Bon, c'est pas mon meilleur set Swift, certes.
Et n'empêche que c'est... Vous imaginez la différence? C'est-à-dire que lui, il a ces stats-là, mais en violent. Voilà. Après, effectivement, la mienne, elle a plus d'HP, plus de précision. C'est un peu différent, mais globalement, la sienne est tellement belle. Tellement, tellement belle. Mais ouais. Mais après, je sais pas. Moi, j'ai fait un try là, mettre ma Lorraine comme ça. Mais je sais pas si je vais pas la repasser en violon rapide. J'en sais rien. Parce qu'en vrai, elle a pas assez de speed pour être en Swift. Et j'ai décalé pas mal de runes, mais je sais pas trop si c'est ce que je veux faire. On va peut-être ruiner tout ça, on va voir. C'est bien le mobile, ouais, c'était pète sa mère, c'était vraiment pète sa mère. Vraiment trop trop bien. Je me suis vraiment éclaté. J'espère que c'était bien à l'écran, je sais pas trop comment ça a rendu, parce que en vrai j'étais focus sur mes petites interventions et tout pour essayer d'être pas trop naze par rapport aux autres. Mais je pense que ça s'est pas trop trop mal passé dans l'ensemble. Genre, les 5 premières minutes j'ai été pitoyable, ça c'est clair et net. Et ça, c'est normal, c'est la pression au début, tout ça, tu vois. Mais après, je pense que je me suis bien repris, ressaisi. Et... Parce qu'au début, tu vois, j'essayais de regarder mon retour. Et en fait, j'étais concentré sur le retour. Et du coup, j'étais pas concentré sur ce que je disais. Donc, quand j'ai dû me présenter au début, quand il m'a demandé de me présenter au début, genre, je bégayais tout. J'étais là, j'étais, ouais, non, arrête de te regarder dans le retour. Concentre-toi sur ce que tu dis. Et fais ton truc comme d'hab. Pas besoin de te mettre la presse. Du coup voilà quoi. Il y a un régal Irakla June. Ah, je savais que vous alliez kiffer ça. En vrai, dans ma tête, je me disais putain, il faut que je gagne. Je sais que les gens vont être contents si je gagne. Aïe aïe aïe. Mieux avance avec beaucoup de def ou de PV, indépendamment de ses sorts. En fait, il faut équilibrer. Il faut équilibrer les deux. C'est-à-dire que il y a un moment donné dans le jeu, enfin, à un moment donné avec tes stats, mettre plus d'HP. Ne vaut, enfin, c'est moins bien que de mettre de la def en fait. Par exemple, ton mob, au-delà de 30k HP, il vaut mieux lui mettre de la def, tu vois, ce genre de truc. Déjà, hein, partout, j'étais content, c'était cool, mon truc, c'était serré. Ouais, de ouf, de ouf. Mais après, June, enfin, là, il est C2, mais on sait très bien qu'il a pas un niveau C2, quoi. Il a le niveau G1 plus, tu vois, large. On dirait maintenant que tu passes dans, que tu baisses dans le game et que t'as une paye de ministre avec le stream, paye tes packs SM. Allez, faisons ça. Go summon, les gars. Ouais, peut-être qu'on fera une petite summon, je sais pas. On va voir. Est-ce qu'on se fait plaisir aujourd'hui? En vrai, il me reste pas beaucoup de packs à acheter. Hein. Je lui ai envoyé les replays à June. Non, je t'ai pas envoyé les replays. Il a pas eu de luck cette saison. Ouais, je pense que. En fait, je pense que c'est un combo des deux, c'est-à-dire que. Il a pas eu de luck et en plus de ça, je pense qu'il a pas énormément tryhard et du coup bah là, je sais pas comment il voit le truc parce que on s'était dit qu'on se ferait un petit rush ensemble comme on se fait d'habitude. Je vais revoir avec lui mais c'est vrai que d'habitude en fin de saison, on est ensemble en vocal et tout, on partage nos replays tout ça et en gros on se soutient parce que vu qu'on est deux gros tilteurs de merde. Quand il y en a un qui fait CRTA et qui commence à tilter, bah l'autre il lui dit non, c'est bon, calme-toi et vice versa. Sauf que moi, peut-être, avec un peu de chance, je serais safe. Donc je sais pas, je vais voir avec lui s'il veut tryhard ou s'il s'en bat les couilles. Moi ouais, j'ai joué ça. Et ouais, peut-être qu'on se fera une séance vocale, mais ça sera sans doute hors stream. Hein. Ça, c'est des trucs, entre guillemets, perso. Quoi. Mais j'avoue, ça fait mal de pas le voir G1, quoi. Parce qu'il a largement le level pour être G1. Enfin. Y a pas de souci là-dessus. Yo Black, comment tu vas? Alors Black, tes péripéties en RTA, comment ça se passe? Raconte-nous. Toujours G1, nice. Attends, t'es à combien de points là? Enfin, moi, en vrai, je trouve que le G1 il monte trop vite. Hein. Ça va être chaud, mec. Hein. Vraiment. Hein. Ah ouais, mais je sais plus ce qu'il joue lui. 1776. Qui n'est pas G1, June? Ouais, June actuellement il est C2. Il est à 1650. C'est chaud parce qu'il lui faut. Là, il lui faut actuellement 120 points. Il lui faut 120 points pour être G1. C'est énorme, 120 points. Il reste 3 jours.
Il faut vraiment qu'il fasse des sessions de port, quoi. Là, il faut qu'il focus et qu'il fasse 30 games, 30 games, 30 games parfaites, tu vois. Conseil sur une offense Chiwu, Bernard, Bailey, Shayna, Nao, tu en penses quoi? Je pense que c'est pas mal. Bailey est très sous-estimé, enfin, est très forte. Après, est-ce que ça vaut un Lushen ou pas? Je sais pas. Monte quand il veut, j'ai un vu les drafts. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il monte quand il veut, mais le problème c'est pas est-ce qu'il peut monter G1 ou pas. Le problème, c'est le tilt. Il est comme moi, c'est-à-dire que quand il s'enferme dans la spirale du tilt, il devient archi mauvais, toxique comme moi. En mode, en fait, une fois qu'on le mindset n'y est plus, c'est fini, en fait. Et on fait exprès de perdre, tu vois. Comme j'ai fait hier, tu vois. Hier, j'ai throw des combats parce que j'avais le seum, tu vois. J'avais juste envie de faire n'importe quoi, de redescendre ces trois et d'arrêter de me prendre la tête avec le géant, tu vois. Et c'est terrible, mais c'est comme ça. Bah, c'est beaucoup de mental, ouais. Parce qu'en fait, certes, tu vas te faire e-sported sur des combats, mais il y en a d'autres où c'est toi qui vas e-sport, etc., etc. Mais le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en live, c'est que c'est tellement rageant, putain, tellement rageant, les gars. Ça, c'est vraiment, c'est trop, quoi. Mais bon, comme ça, c'est le jeu. C'est aussi ça qui fait que le jeu est... Enfin, c'est aussi ça que le jeu est aussi intense, qui fait que le jeu est aussi intense. C'est vrai que voilà, quoi. Mais ça va être chaud, ouais. Ça va être chaud, chaud, chaud. Bah, le truc, c'est qu'il faut être bon sur beaucoup de combats, en fait. Il faut être constant, en fait, en RTA. C'est-à-dire que tu peux faire une très bonne session et prendre 150 points. Et le jour d'après, tu perds 200 points parce que t'as fait une session de merde. Et c'est là où il faut avoir le mental de reset ton mindset et de revenir le jour d'après encore plus fort, tu vois. Et c'est ça qui est chaud. Et quand tu commences à te faire e-sported et qu'après, derrière... tu tapes un gros gars que t'as aucune chance de gagner et qu'après tu te refais e-sported, bah t'as juste envie de tout casser et en fait tu continues à lancer tes RTA, mais c'est pas une... Tu vois, t'es pas dans un bon mindset et au final tu t'enfermes dans une spirale de la loose, quoi. Et tu te persuades que bah t'as pas de chance et que tu perds parce que t'as pas de chance, et au final en faisant ça tu loupes des fights, tu loupes des drafts, tu fais des misplays. Et du coup, bah, tu perds encore plus, parce qu'en fait, forcément, si tu joues moins bien, bah, t'as encore plus de probabilité de perdre. Et donc, tu t'enfermes dans une spirale de la lose, et là, c'est terminé. Et le truc, c'est que c'est très compliqué d'en sortir. J'ai un time 750. Ah ouais, sérieux. Et moi, je sais que c'est mon gros problème. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de combats en RTA, parce que ça me trigger trop longtemps, quoi. Enfin, ça me trigger trop. Et quand je suis trigger, j'ai envie de tout casser, mais vraiment, j'ai envie de tout casser. Je viens d'une game hier quand t'as volé au proc, ton Godou a pas proc. Ouais, bah exactement, c'est ça. Alors qu'en fait, se faire e-sport sur un combat, ça arrive. Ok, le mec il a proc 7 fois, t'as eu 0 proc, bah c'est comme ça, il a gagné la game et voilà, c'est comme ça. Merci pour les follow, les gars. Je pense qu'on était C1 sans les runes, mais avec les mobs. Ouais, C1, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, faut quand même un petit peu de runes, un minimum de runes, parce que même si t'as les mobs, si tu te fais outspeed constamment et que tes mobs c'est des chips et qu'ils se font one shot par une colline, par exemple, bah t'y arriveras à rien. Hein. En fait, j'aime bien le skin du chien, je disais hier que je l'aimais pas. J'aime bien l'apparence du skin, mais j'aime pas l'animation du skin. J'aime pas le. Je sais pas. Il y a un truc qui me va pas dans ce skin. Mais ça fait un peu en mode Albator, etc. Je sais pas. Je suis mitigé sur ce skin. Hein. Le skin Bastet, je suis pas fan par contre. Ouais, le DJ c'est plus cohérent. Enfin, tu me diras, là il jette des cartes donc ça reste RP. Le DJ il lance des disques. Ouais, bon. Je sais pas.
Par contre, ces skins mecha, que ce soit sur Raok ou sur sur le bro ou sur le griffon, hein, je suis pas fan. J'aime pas les skins mecha, je les trouve pas beaux. Hein. Le seul skin mecha que j'aime bien, c'est le Kmoun. Genre sur les Kmoun, je trouve ça va à peu près bien, tu vois. Ouais, c'est vrai que maintenant avec le double wake, les skins, ouais. Ouais, ça manque de... Enfin, après, c'est... Tu vois, ils sont pas moches, tu vois. Si, je pense que si t'aimes l'univers un peu... Un peu genre... comment ça s'appelle? Un peu Transformers, mes couilles, tout ça. Je pense que tu peux kiffer le skin. Mais moi, c'est pas trop mon délire, tu vois. Qu'est-ce que je dois faire, là? Meilleur des monstres 3 fois, meilleur des runes 3 fois. On va faire ça, les boys. Alors, les bâtiments de la tour d'Arcane, c'est Osef. C'est-à-dire le truc de... Moi, je l'ai monté, moi. La tour en arène, là, qui tape en arène, c'est ça? Bah, moi, à l'époque où je tryhardais l'arène, je les ai montés parce que, mine de rien, avant le gameplay, c'était de jouer Ultra Bruiser et en gros, la tour des arcanes, elle finissait par tuer la team adverse. Quoi. C'était il y a très très longtemps. Moi, à l'époque, on conseillait de la monter, donc bah, je l'avais montée tout simplement. Et effectivement, aujourd'hui, je sais pas si c'est encore judicieux de la monter, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en bat les couilles. Tu vois. Ok, Tyron, il faudra que je le monte, Six Star. C'est mon prochain Six Star, je pense, Tyron. Clairement. Bob régal. Sauf si je chope quelque chose d'autre. Hein. Bon. Tyron, la régalade. Hein. Skill up et tout. Ah, ça, ok. Okay. Un quotidien des runes. Alors, yo Kirou, tu as une perle rare d'émulateur. C'est New Player, etc. Oui, je connais Kirou, c'est l'émulateur qu'utilise beaucoup d'Asiates. Les Asiates, ils utilisent beaucoup ça. Je sais plus, c'était BitDi, je crois, qui était dessus. Mais je l'ai essayé, et sur mon PC, il tourne vachement mal. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si maintenant, il tourne mieux. Mais en tout cas, à l'époque, il tournait vachement mal. Du coup, j'étais retourné sur Nox et BlueStacks. Et là, actuellement, pour le moment, j'ai pas de problème avec BlueStacks. Donc, tant que BlueStacks me correspond, je garde. Mais bon, s'il y en a d'autres qui veulent... Donc, compote-les. Tu as monté le griffon haut? Non, absolument pas. Absolument pas, absolument pas. Le seul griffon que j'ai monté, c'est le griffon... bah c'est Bernard, quoi. Et je pense que je vais le 2A, parce que, en fait, bon, j'ai fait un sale move l'autre fois, j'ai complètement oublié. J'ai full skill ma Elucia. Sauf que j'avais oublié que j'étais en train de 2A une autre Elucia pour la skill up. Du coup, bah j'ai perdu 35 runs dans une Elucia. Alors que la mienne est maintenant skill up, puisque j'ai mis les dévilements dessus. Du coup, il va falloir que je monte une fée feu pour pouvoir lui mettre le skill up de l'autre Elucia. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Mais voilà. Donc là, maintenant, pour faire les matériaux par semaine, je vais faire le Bernard pour le deuxième wake, je pense. Et puis voilà. Ouais, pour la fée feu, je ferai, je pense. Mais bon, la fée feu, je comptais pas la jouer, même si elle est relativement sympa. Mais je pense que je ferai ça, ouais. Version anglaise en fin d'année, ok, d'accord.
Bah je retesterai Kiro, écoute, je vais retester, puis on verra. Yo Zartrock, question, on est d'accord que le HOH Frégate est un fake? Oui, le HOH Frégate est un fake, c'est le prank de Wendy, voilà. C'est le prank de Wendy sur sa nouvelle vidéo YouTube. Évidemment, je pense pas qu'il donnerait un HOH aussi craqué du cul. Mais bon, ça peut leur donner des idées, on sait jamais. Hein. Ça marche, c'est gentil, Kyo. Putain, ça fait tellement de bien de pas bosser, les gars. Et il me reste encore... trois semaines de congé à poser avant fin mai. Donc ça veut dire que là, je les ai positionnés au taf. Je vais voir s'ils sont acceptés, mais je les ai positionnés toute fin mai, en fait. Histoire d'avoir une chance de sortir du confinement et repartir en vacances, ce qui serait relativement stylé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurai 3 semaines de vacances. Quand, je sais pas encore, mais j'aurai 3 semaines de vacances. Je peux vous dire qu'on va saigner les streams, les bros, mais comme jaja. Hein. Ça va être en perma-stream, perma-marathon. Ça va être kiffant. On va faire du 12 heures par jour minimum pendant 3 semaines. Ça va être insane. Hein. Ça va être insane sur mes cristaux aussi, mais voilà. Sort d'un mois de congé paternité. Ouais, mais les congés paternité, c'est pas de tout repos pour les avoir vécu. Tu te dis, ah cool, je vais avoir des congés paternité, et en fait, t'as tellement de choses à faire quand t'as un bébé qui arrive que c'est pas des... De quoi c'est quoi ça, Black Cliff? Non, mais ça, c'est un prank. C'est le 1er avril, gros. Cherche pas, hein, c'est le 1er avril, c'est un prank. Hein. C'est logique, hein, c'est... Tu te doutes bien que... Tu te doutes bien que c'est impossible. Tu te doutes bien que c'est un petit peu fort, quoi. Une fragdol à tout le monde. Vous imaginez le bordel que ça serait en RTA. À quel moment score que l'on peut atteindre dans les rifts élémentaires avant de commencer à farm le monculus? Normalement, c'est S. À partir de S, ça devient à peu près OK, tu vois. Ouais, j'ai vu, Atakos. Ah, c'est pour les plongeurs, hein, c'est... C'est pour les Lormanodou, quoi. Yo, Lyrios, comment tu vas? Je sais pas quand c'est... Yo, Tartine, je sais pas quand c'est l'anime de Summoners. 15, 4 sur 5... Yo, Absinthe. On va... Bah, très bien, très bien. Quoi, le merci? Ça va très bien. Le merci, c'est pour vous remercier d'avoir été présent sur... sur le stream de tout à l'heure, sur le stream, l'émission Le Mobile, d'avoir apporté votre soutien pendant cette première émission magnifique. Et mieux fin du mois, je sais pas du tout, bon. J'avoue, j'en sais rien. T'as déjà dû le dire, mais tu taffes dans quoi? Je suis ingé réseau. Je taffe dans l'informatique. Ok, donc on prend ça, ça régale. La petite rune, comme d'hab, bien de la merde. Oh non, je crois que j'ai niqué un booster XP. Non, c'était 20h. Ouais, ça a dû se finir. Attends.
Oh, dans 2h28. Vas-y, je suis obligé de le prendre. J'en ai pas beaucoup, 9. Ouais, ça va encore. 9, ça va, ça reste ok, tiers. Attends, j'ai que ça, XP? Pourquoi je la monte de niveau celle-là? Elle a absolument pas besoin d'être montée de niveau. Hein. Je sais pas pourquoi je la monte de niveau. Vraiment un connard. Hein. Ça. Attendez, combien j'ai de. Est-ce que j'ai de quoi faire un 6 star ou pas là? Bah ouais, j'en ai 3. Attends. J'en ai 3. Est-ce qu'on peut pas se faire un petit 6 star là? Bah carrément que si, les gars. Les gars, on va se faire un petit 6 star hein, tranquillement. On va se faire Tyron, je pense qu'on va se faire le petit Tyron. Qu'est-ce que je... Ouais, Tyron. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Tyron ou les autres, je les utilise pas. Celle-là, AK, je l'ai mis. Celle-ci, je vais la monter, mais en vrai, je vais pas l'utiliser. On le sait très bien. Est-ce que j'ai des fakes à monter ou pas? Il me faudrait 2 fakes. Ou 2 4 nats. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais putain, mais je suis vraiment un débile, hein, c'est grave. Hein. Et il y a des fois, faut que j'arrête de jouer bourré, les gars. J'ai pas de fake à monter, mais du coup. Yo, Inopan. 202 sur son dernier. Ouais, mais t'inquiète, ça va descendre très très vite. Ça va descendre très très vite. On va se monter un petit truc. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais attends, en fait, on va juste faire ça. Et n'importe quoi. On va du coup juste faire 1, 2, 3. Donc ça, c'est bon. Tac. 2, 3, 4, 5, 6. Douze. Ça, c'est pour faire les arcements. Semaine avant, non, au cas où. C'est pas bête ce que vous dites là. Bon, bah, je vais prendre ce pack là, les bros. De toute façon, j'ai pas grand chose dedans. Hein. Je vais juste prendre ce pack là et je vais prendre les deux trucs là. Ok, bah vas-y, je fais tac, attendez, hop, allez, je vais acheter le pack, les gars. Je pense qu'on mérite un peu de se faire plaisir. J'espère vraiment que le jeu va pas me chier dessus une nouvelle fois. Inch inch, comme on dit dans le milieu. Il me restera encore une dernière chance parce qu'il me reste encore le pack spécial à 110 balles, mais j'espère ne pas devoir l'acheter. Mais voilà. Bah en fait, en vrai, en mob vent, il me faut tellement de trucs. Il me faut Taranis, il me faut Syrah, il me faut Savannah, il me faut vraiment plein de trucs. Voilà. Choisis la rune que tu préfères. On a une rune violente, évidemment. Alors, achat en un clic. Dang, allez hop, voilà. Voilà, on est officiellement une grosse baleine de merde. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, l'achat en un clic, c'est le pire bail. Hein. C'est le pire bail parce que du coup, ça rip trop facilement, quoi. Ça glisse vraiment trop facilement. Passer ça en frais de société absolument pas.
Absolument pas. Parce que ça, je sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais je sais pas si. Faut que je me renseigne, mais ça m'étonnerait que ça passe, tu vois. Non, non, je fais ça avec mon argent, tout simplement. Et à mon avis, ça passe pas trop. Enfin, je sais pas. Je sais pas si quand Gigi dit ça, il troll ou si c'est parce que lui, il a un statut particulier ou je ne sais quoi, mais. Moi, de toute façon, ma société, elle n'existe pas encore. Hein, donc, et même quand elle va exister, c'est une auto, tu sais, c'est une auto-entreprise, etc. Et je pense pas que. Je pense pas qu'il soit dans ce cas-là, Gigi. Enfin, j'en sais rien. Les petits packs à 30. Bah, le petit pack à 30, il m'intéresse pas des masses en vrai. Hein. Bah, il n'y a rien dedans. Enfin, si, ouais, tu me diras. Enfin, tu vois, il y a 10 mystiques et un légendaire. Mais tu vois, en fait, la value du pack, elle est faite avec ça. Et ces deux trucs-là ne m'intéressent pas, quoi. Je pense plutôt repartir après sur celui-là si jamais, tu vois, mais on va arrêter quoi. Des trucs pour déclarer de la DVA. Je sais pas, gros. Je t'avoue, je suis pas très fort dans tous les trucs comme ça, donc. Voilà, on a re quelques petits cristaux. Des défions prod. Yeah. Hop. Allez, c'est parti. Parfait, une petite flat, on est ravi. Parfait, une deuxième flat, on est ravi. Et ok, pourquoi pas. C'est un peu fait chier dessus, les gars, on va pas se mytho. On a une rune potable. Un petit peu de chiage de. Bah, c'est tout le temps comme ça, le problème, c'est. On va voir, hein, mais bon. Espérons qu'elle fasse comme la rune de Takeos, mais ça n'a pas l'air. En plus, l'attaque pourcent en innate, c'est pas insane, mais bon. Ah, j'ai bien farmé là, hein, les gars. Bon, bah voilà. Ok, donc ça sera une réap. Pour le moment, ce qui m'intéresse à réap, c'est évidemment la rune. Bah, toujours la même. Hein. Toujours la même putain de dégâts crit qui veut pas proc. Celle-ci. On va essayer de la faire proc. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'elle est pas mal comme ça. Là, j'ai juste à mettre de l'attaque pour 100 ou du PV pour 100. Je pense qu'elle est pas mal comme ça. Elle est pas insane. C'est combien les procs? Là, j'ai 5 sur 7. Non, c'est 8. Là, j'ai 11 sur 12. Soit j'ai 11 sur 12. Ouais, non, c'est. 19 sur 24. Ouais. Mais elle me va bien comme ça, je sais pas, ouais. Manque un prog, ouais, mais bon. Écoutez, je vais la laisser comme ça pour le moment. Un proc to crit et un proc speed, ouais. J'en ai d'autres à réap, en vrai. Et j'ai quoi? J'ai celle-là que je voulais réap. Celle-là que je voulais réap. Je crois que j'en ai là aussi. Celle-là, elle est vraiment crade, hein. Ouais, je vais la laisser comme ça. J'en ai déjà deux des dégâts crit vraiment sympatoches. Donc. 14, putain. C'est la merde là. Ça, c'est la merde. C'est la merde parce qu'il y a eu un proc précision. Ah, 8.
2x4, c'est vraiment de la merde. Hein. Dommage. Ouais, sans souci, no pan. Je fais d'abord la mienne et après, pas de souci. Ok, donc, bon, bah, on a eu une rune sympa. On va up tous les monstres et tout, machin, tout ça. Enfin, vous avez compris, quoi. 14 vélins, les gars. Peut-on le faire? Peut-on avoir quelque chose? Ça fait une éternité que j'ai rien eu sur mon compte. Vraiment, mais vraiment une éternité. J'espère... je sais pas, je sais même pas si j'aurai quelque chose. Au moins un éclair, quoi. Un truc pour espérer. À la régalade, en tout cas, ce pack, les amis. Ah putain, pas un éclair. Pas un fucking éclair. On peut avoir des éclairs sur les light and dark ou pas? On peut avoir un Kamato. Parfait. Aïe aïe aïe, c'est terrible les gars. Un papy bourré d'arc. Et non, pas d'éclair les gars. Oh, ça fait mal hein. Et une dryade. Bon, la dryade, c'est cool, ça me fait du skill up, mais voilà. Bon, bah, tant pis. J'aurais testé, les gars, j'aurais tenté. Malheureusement, bah, pas de luck. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? No lux. Rush pack, non, ça sert à rien, les gars. J'ai besoin de farmer, hein. J'ai besoin de cristaux pour farmer, vraiment. Vraiment besoin de farmer. Donc non, je peux pas rage pack comme ça. Donc voili, voilou. Effectivement, il y a le pack là que j'avais pris la dernière fois, là, celui-là. Que je trouve vraiment insane. Mais bon, voilà. Pour le moment, on va un petit peu s'arrêter de cash-up. Parce que ça commence à faire mal au cul. Puis on va aller juste farmer de manière totalement tranquille et free-to-play. Putain, j'ai pas eu un éclair sur mes vélins devant. J'ai le démon. Le fait d'avoir eu lui 4 stars aussi, ça me fout le seum. Ah mais bon, tranquille les gars. Tranquille. C'est pas grave NP, un jour on aura de la luck. Je vous jure qu'un jour on aura vraiment de la luck un jour. Hein. On aura un truc de ouf. Ce jour-là, ça... Ouais je sais, il y a une semaine à faire les gars, mais il faut... Déjà je crame mon énergie, etc. Et après je fais votre summon, etc. Enfin vos summons, vos crafts de runes, ce que vous voulez. Laissez-moi juste un tout petit peu play sur mon compte. Alors attendez, il faut que je chope les dupes là. Qu'est-ce que j'ai en dupes? Oui, la chasseresse est bien, mais c'est pas suffisant malheureusement. J'en attends plus que ça. Ok, lui il est en dupes. Lui il est en dupes. Lui il est en dupes. Aïe, tellement compliqué les gars. Ça fait mal. Bah quand VK aura son partenariat, on pourra faire ce genre de bail. Et tant qu'il ne l'a pas, je peux pas faire de squad avec lui. Puisque les squads c'est réservé aux partenaires. Oh, j'ai tellement le seum les gars. Après, honnêtement, la dégâts crit, elle est ok tiers, tu vois. Elle est pas incroyable, mais elle est jouable. Au moins ça, tu vois, mais bon. J'avoue, j'aurais bien aimé avoir des monstres. Le partenaire, le stream, absolument pas. Le seul partenariat que j'ai, c'est avec Twitch. Ah, mais je te dis, Takios, mais il n'y a pas que les réaps. Hein. Les summons, c'est pareil. Hein.
tu regardes bien, la différence entre les éclairs sur vos comptes et les éclairs sur mon compte, c'est insane. Après, bah, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que je dis, un jour, ça tombera. Le jour où ça tombera, bah, je serai content, tu vois. Pour le moment, bah, ça veut pas. Donc, on va continuer de farmer, de tryhard le jeu. Et puis en espérant que voilà, quoi. Il y a forcément, c'est ce que je vous dis tout le temps, hein, il y a forcément un jour où ça va tomber, les gars. Bon, c'est vrai que ça aurait été cool que ça tombe aujourd'hui parce que je suis dans un bon mood et ça aurait été exceptionnel que j'enchaîne le stream avec un nouveau mob sur mon compte, avec de la RTA où je passe gardien. Ça aurait été la journée parfaite, mais bon. On va faire comme on peut. Hein. Donc 3, 4, 5. Et donc c'est quoi? Attends, combien il me faut? 4, il me faut 20. J'en ai 20 là. Je crois que j'en ai 20. Okay. J'aimerais quoi? Bah. Mes most wanted, c'est Syrah, Hathor, Joséphine, Taranis, Savannah. Tous les monstres en fait qui sont hyper forts en RTA et qui me permettraient de combo avec les monstres que moi-même j'ai déjà. Et voilà. Ça serait insane par exemple. Oh putain, mais j'ai bien. Ah ouais, j'ai presque plus de mana non plus. Oh là là, ça va être tendu cette histoire. Ça va être tendax. Yo Guts. Tu veux un autographe? Vas-y, ramène tes fesses Guts. Je te fais un autographe sur la fesse gauche. Alors, tac, tac. Ça on va. Je vais avoir assez de mana pour faire ce que je veux. Nice. Putain. Ce qui met en application les conseils. C'est beau. Vas-y, je burn vite fait mes énergies dans le truc des dimensions pour faire up mon mob de mort là. Et après je fais ta summon Inopan. S'il y en a d'autres qui ont des summons ou des crafts de runes ou des réap ou des trucs comme ça, les gars, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Faudrait que je garde des... En fait, je suis con, faudrait que je garde des fées, là. Faudrait que je les garde, ces putains de fées. Ouais, moi, je l'ai mis en Despair, mais de toute façon, je le jouerai... Je pense que je le jouerai en RTA 4 nat. Le problème, c'est qu'il est pas encore skill up et qu'il est très loin d'être skill up. Mais ça viendra tôt ou tard. Jure, t'as fait de la RTA ce matin? Putain, mais j'étais où ce matin? Ah oui, ce matin, je suis allé faire les courses, les gars. Ce matin, je me suis réveillé à 9h30. J'ai foncé en course. J'ai dévalisé les courses. Je suis rentré, j'ai pris une grosse douche sa mère. J'ai à peine eu le temps de manger, il fallait déjà préparer l'émission. Et après, bah, j'étais en émission. Mais ouais, putain, aujourd'hui, la journée, je l'ai pas vu passer, hein. Et du coup, t'as tout gagné et tout. Quel boss ce Goots. Non, safe SWC. Oh là là, c'est beau. En vrai, c'est beau, hein, GG. Hein. GG. J'espère que c'est grâce à mon soutien que tu y arrives. C'est pas régal.
2000, tombé 1980 et stop à 2001. Putain. Ah ouais, t'as le mental de fou. En plus, t'avais dit que tu stopperais si tu tombais à 1980. T'as eu les couilles de continuer. Oh, c'est beau. Hein. Et à un moment donné, tu devais être dans un sale mood quand même, non? Quand t'es tombé à 1980, t'as dû insulter tes grosses daronnes, non? Ou est-ce que tu es resté stoïque de A à Z? Ok, on est bientôt sur la fin, nice. Leur live avec Room Vert, d'accord. Okay. Ah merde. Ah ouais, puis j'étais pas là pour deux streams. C'est beau, putain, c'est beau. On n'arrête plus le progrès, quoi. Ah, je sais pas si je vais y arriver, moi. Il y a une chance sur deux pour que je int et que je finisse C3 voire C2. Mais si on a un peu de chance et qu'on est un peu focus, on peut peut-être atteindre cette barrière des 1800 points et être plus ou moins safe. On verra, on verra, on verra. Je sais pas si je les ferai en live par contre, hein, parce que moi aussi j'ai une fâcheuse tendance à tilter. Ouais, mais c'est ça qui est compliqué, c'est de pas devenir fou justement. Ok, le Tyron c'est fait. On va vite fait prendre des merdes comme ça là. Tac. Tac. Est-ce qu'on a un truc? Eh non, malheureusement non. J'ai repris les packs, j'ai pris les deux packs, j'ai pris ça là. J'ai pris les deux packs Light and Dark et j'ai pris le deuxième pack ici, mais rien eu. Rien eu, rien eu malheureusement. Ouais, j'ai un peu de cristaux, mais bon. Un petit peu de cristal. Ok, je crois que j'en ai dans la boîte aux lettres là, non? Merde. Ah oui, attendez, hop, j'avais raison. Hop, c'est ça qu'il fallait que je... Oui, Chilus. Non, t'as eu le wish? Enfin, t'as eu le mob sur le wish, pardon. Ah, c'est terrible, ça. Terrible, terrible. Ok, vas-y. Oh putain, c'est XP x2, je suis un bolos. Du coup, faut absolument que je farme là, les gars. XP mana x2. Fucky, fucky. Vas-y, bah je vais le faire rapidos et après je vais farmer un petit peu, les gars. Faire du DB pendant ce run x2, mana x2. Yo Anto. Moi j'ai eu deux fois 10 000 mana et ouais bah c'est ce que je vais faire les gars. Oui non mais vous avez raison. Je vais faire ça. Je vais juste faire ça. Double session sur putain vous connaissez bien le stream vous. Hein. Est-ce que vous ne seriez pas des professionnels du streaming les gens? Vous êtes vraiment trop chaud. Hein. On va faire ça. Je setup tout de suite le deuxième émulateur, les gars. Et on va partir sur une petite semaine session. Inopan, je te laisse m'envoyer tes logs. S'il te plaît, mon bro. Mmh. 40 cristaux sur le wish. Waouh. Comme ça aurait pas venu à l'esprit.
Bah, c'est surtout que toi, si tu lances deux instances d'émulateur sur ton PC, je pense qu'il rend l'âme, non? En vrai, c'est gourmand. Hein. On dirait pas, mais... S'il y a d'autres summons, les gars, n'hésitez pas à me MP sur Discord. Ça régale. On va essayer de régaler. Prend feu son PC, mais de ouf. Hein. Je pense qu'il s'envole même. Genre... Alors, est-ce qu'on est sur Europe? Je sais même pas si on est sur Europe, là, avec ce compte. Si, je pense qu'on est sur Europe. Ah non, on est... Si, on doit être sur Europe. Félicitations, tu as atteint le niveau 40. Merci. Et on enlève ça, on fait ça... Faudrait que je mette des runes de merde sur l'autre là. Mais bon. J'avais awake la Bellita. Non, je te garde mes summons et dès après c'est tirant 800 pierres. J'espère que ça sera tout le temps comme ça. Hein. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je sais pas si. Le tyran peut pas carry là tout seul, les gars. C'est la chakram d'arc. Ok, alors attendez, tac, mu petit, on va mettre ça, non, ça, ça. Je fais n'importe quoi, attendez, faut que je réduise ça, tac, rejouer. Reduce cet émulateur. Oh, en plus, il y a l'event des dés magiques qui carry, les gars. Putain, c'est bon. Hop. Le pro setup. In fucking sane, les gars. Ça ne mange pas de pain. Ça régale. Là, on va se mettre comme ça. On va étendre un petit peu ici. On va se mettre ici. Oui, si, c'est peut-être mieux. Je sais pas. Là on va se faire comme ça, tac tac. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc t'as pris... Ah toi t'as pas pris le pack du milieu. Ah c'est original ça. T'as pris... ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'il nous faut Inno là? Et dans mon jeu j'ai eu 150 cristaux plus 15 cristaux plus 15 énergies. Putain bah t'as eu de la chatte en vrai. Hein. Pierre et Vélin Nid Syra. Ok. C'est très clair les gars. Et ben let's go, bon courage à toi, good luck. 33 vélins, pas de légendaire, ok vas-y, on y va, au talent. On a une bénédiction, MAF 4 stars à l'open, ça régale. Attendez, je dois faire de la food encore là. Putain, je vais jamais m'en sortir de cette food. Monte ma petite chakram vite teuf là. Tac, 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 tac. Alors, 3 stars. Hop, hop, hop. 200 millions de mana, putain, j'aimerais tellement être aussi riche en vrai. C'est stylé mais ça te bait de ouf. Hein. Parce que quand t'invoques les mobs transmog, ça t'attire plus l'œil en mode putain j'ai jamais vu ça, c'est forcément un AT5. Et en fait à chaque fois c'est un AT3 ou un AT4. Quoi. Et ouais, ça régale. Hop, on passe la petite 5 stars. Nickel. Moi je suis persuadé que si on lui met des runes, on a plus besoin du... Vous pensez que si on lui met des runes, moi je pense qu'on a plus besoin de l'autre. Hein. Je lui mets des petites runes à la con là, j'ai pas des runes vampires. Ok, c'est pas beaucoup de runes vampires effectivement. C'est tombé. On va se prendre le chou. On va y aller comme ça.
contre, quand tu summon un AD5 Lactant Smoke, c'est stylé. Bah, je t'avoue que pour le moment, ça m'est encore pas arrivé, donc on va essayer, on va essayer. Bah, sauf que là, vu qu'on aura la... Ah oui, on aura double transmog. Oh putain, ça... Oh, ça, c'est une Stella. Stella qui est très belle avec son petit... Il y a eu un lag, j'ai cru aux 5 nat, mais non. Hop. Bon, il veut une Syrah. Essayons de lui sortir une Syrah. Encore un fake. Terrible. Que juste pour level, genre 5 normal pour tes skins. Ah ouais, sérieux. On a pas eu énormément d'étincelles là. On mérite là. On mérite quelques éclairs supplémentaires là. Je répète, on mérite des éclairs. Ok, des éclairs. SA5 Nat. Non, c'est une chevalier magique. J'avais jamais vu leur skin. Ok. Les pierres. Espérons qu'on régale sur les pierres. Il peut Syrah, évidemment. Comme beaucoup. Comme beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir des éclairs, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut y croire? Avoir une Tiana. Ouais, c'est les transmog. Absolument pas eu de Tiana. Merci Edwin pour le raid. Il n'y a absolument pas d'éclair. Petit mammouth. Un petit mammouth encore. Un petit mammouth, tiens, pour changer. Encore un mammouth. Mais non, c'est une blague par contre là. Oh, on a eu 4 mammouths d'affilée, c'est... Encore un mammouth. Il y a que de ça en fait dans ces pierres, c'est des pierres mammouth, non? What the fuck, gros? Et ben ça régale, pas un putain d'éclair sur ces pierres de merde. Ravi. Et c'est ravi. Et on est ravi. Un bébé fan comme dit mon fils. Ben on n'a rien eu mon bro. Hein. Dommage, putain, pas un seul éclair par contre sur les pierres, j'avoue, ça dégoûte. Vraiment, ça dégoûte. Est-ce qu'il y a d'autres summons, les bros, ou pas? Je repasse en mode simple émulateur. Tac, tac. Bah, sorry, mon bro. Malheureusement, on n'a pas réussi à régaler le petit pour ce coup-là. C'est effectivement terrible. Ok. Allez, on va profiter rapidement de l'XP x2, machin, machin. Est-ce qu'on peut pas justement... Ouais, non, ça serait ballsy. Hein. Ouais bah moi aussi c'est souvent ça, il y a souvent deux mobs que j'ai et deux mobs et un mob que j'ai pas, mais bon. La vie. Bam, bam. Yo Zedru. Mais je suis pas fan hein, des transmog des. Les transmog des twins là comme ça, je n'aime pas trop. Hein. Pas trop mon style en vrai.
on va keep. On sait jamais, des fois que ça procto crit, dégâts crit, tout ça, tout ça. Ouais, les transmog. Le pire bait qu'on a eu, c'est hier. Le bark, il ressemblait, avec sa crinière et tout, il ressemblait tellement à un Taranis que j'ai vraiment cru que j'avais summon un Taranis. Ça m'a dégoûté quand j'ai vu que c'était un bark. Ouais, franchement, c'était assez. Mais bon. Ni Xingze, ni Okeanos, ni Molong. Après, Xingze, c'est pas ouf. Okeanos, pourquoi pas en PVP. Molong, pourquoi pas en PVP, mais... Je sais pas. Je pense que Psabat Vanessa reste bien mieux comme Orota. Ça, c'est mon avis, mais parce qu'après, j'ai tous les mobs. Donc... Mais je sais que sur mon compte... Samat et Vanessa sont beaucoup plus game changer que Molong, Okeanos ou Xing. Yo, Ice. T'es à 1861, putain. Boss, quoi. Tellement safe, là. Ben, écoute, moi, je vais essayer de dépasser les 1800 et je m'arrêterai là, je pense. En tout cas, si vous craquez, les gars, n'hésitez pas à venir vous faire summon sur le stream. Vous savez qu'on adore ça, les summon ici. Ouais, c'est vrai que je dis ça, mais quand je dis j'ai tous les mobs, c'est voilà, j'ai tous les mobs, enfin j'ai les mobs qu'il a parlé, dont il a parlé quoi. Ouais, des cristaux, nice. 30 cristaux, un refil. On a eu un refil complet, ça c'est cool. Ça, c'est de la merde. Pas besoin. Et des cristaux. La mana. Dommage. Dommage. Pour les follow, les gars. J'ai l'impression que mes jumelles sont plus lentes avec le skin. C'est moi ou... Yo, Sleepy, comment tu... J'ai tellement hâte que la saison RTA se termine, les gars. Genre vraiment, hein. Pour pouvoir voir le tournoi des légendes et pour pouvoir faire n'importe quoi en RTA 4 nat, ça va être insane. Le fait qu'on puisse faire du FRR à volonté et que j'ai déjà eu le G2 en RTA 4 nat, c'est hyper cool. Je vais pouvoir faire 30 L jours en m'en battant les couilles et ça va être trop cool. Ouais, je pense que la nouvelle saison de RTA, je vais arrêter de... Je vais essayer de m'entraîner pour pas tilter, tu vois. En vrai, si je tilte autant, c'est aussi parce que j'en fais pas beaucoup, donc... forcément, je me mets pas en bonne condition. Non, j'ai pas G3, j'ai G2. Pas 20 stars ? Si, c'est 20 stars. Ouais, je dis 4 nat, mais 20 stars, ouais, exact. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse à des compos. Je pré-shot des compos. C'est 20 stars, mais sans... Il n'y aura pas de pré-ban, ça, c'est 20 stars direct, quoi. Le chill, c'est tout. Ouais, mais j'ai du mal, gros. Je te jure, j'ai du mal. Hein. Dès que je me fais e-sport, en fait, j'ai l'impression que la terre entière est contre moi et qu'il faut que... Faut que je casse tout, tu vois. Pran, Verde, Lorraine, tu fais... Pran, Verde, Lorraine... Strider. Merci, Dune. Y'en a pas toi.
Ouais, moi j'ai pas beaucoup mangé non plus, j'ai à peine avalé un demi-sandwich là. J'avoue, j'ai grave la dalle, sa mère. Je pense que je vais grailler, hein, les gars. En vrai, j'avais l'autre moitié de mon sandwich, mais je pouvais pas bouffer pendant le stream, donc. Mais les cales, tant que je bouffe, les gars. Ouais, Zedrim. Du coup, on farm jusqu'à 18h, les gars, pour le double mana, et après on partira en RTA. Voilà le petit programme. Et si jamais il y a des summons, craft de runes, etc. entre temps, on fera. Ah, il faut que je fasse ma GVG aussi. Ça, je pourrais vous faire un petit tuto de comment on throw son G1 deux jours avant la fin. Quand tu vois. Ouais, moi ouais, je pense que oui c'est bien samedi. Gros stream FRR d'ailleurs ce samedi, les gars, j'ai trop de choses à faire sur mon compte. Ouais, comme d'hab, on fera des sessions de JSON jeudi et vendredi soir, je pense. Oui, avec un photo, parce que je mange. Quand je mange, j'aime bien regarder VK. D'inspiration, tu vois. Ça m'aide à me concentrer avant de partir. Le samedi, je stream quand je me réveille, en gros. Donc ça dépend à quelle heure je me couche. Je peux lancer le stream à 10h, comme à midi, mais en tout cas... considère qu'à partir de 12h, normalement, on est en stream. De toute manière, si t'as follow le stream, t'as activé les annonces, tu sauras quand je stream. Et je l'annonce sur Twitter juste avant de lancer, et je l'annonce aussi sur mon Discord. Donc normalement, tu peux pas le...
J'avoue, c'est pas con ça, Heroic. Je vais y penser. Après, tu sais que moi aussi, hein, je garde encore les runes bleues. Hein. Sa double proc à 18 de speed reste une bonne rune. Hein. Ça va encore, c'est pas un AD5. Je la try celle-là, mais sans grande combi. Lui-même, ouais. J'avoue, si tu poules Tiana, Giana, aïe. Ça te met au fond, hein, à mon avis.
vraiment de foutre le seum. J'ai drop Camille en premier 5 nat utile en early. Ouais, elle peut te solo des trucs, mais. Oui, si elle peut te solo des trucs, donc ouais, ça peut être sympa. Ça reste pas le meilleur mob du jeu pour l'early game. Hein, clair. C'est pas un farmer AOE malheureusement. Mais je pense que ça peut. Par contre, ça solo fait mode, clairement. C'est juste que ça va être. On va tester vite fait 2-3 petits points que j'ai eu. Ça régale hein, le double mana. Clairement. Clairement, ça régale. Taor solo Flemon, oui carrément. Taor ça a une AOE, c'est une série. Faites-moi une. Ok, ça c'est bon. Ça, elle va bien proc, on n'en sait rien. Merci beaucoup pour les follow les gars. Ok, si elle proc full tocrit dégâts crit. La garde. Encore pour qui? Ok. Mais de l'attaque ici, ça sera une rune no speed, mais ce sera une rune PVE. Quoi. Anna soit Copper Trap. Ok, nice. 17, vas-y, on va la pousser à 20. On va la pousser à 12. Si elle proc encore tôt crit, c'est nice. Blender mana, t'as vu ça, je suis riche. Ouais, c'est pour ça que le double mana, je vais le farmer un petit peu, quoi. 22, parfait. Parfait, parfait. Très bien, bah écoutez, on va garder ça. Hein. On va garder ça, les bros, hein. Encore sur qui, mais on va garder ça. Ça me va. C'est pour les follow, les gars. Pour qu'une truc soit copper trap, j'en sais rien. Ça dépend. Je sais pas combien on les copper de maintenant. Ça fait très longtemps que je me suis pas posé la question. Si quelqu'un a l'info dans le chat. 1500, ça me paraît un peu ledge, non? C'est pas un peu léger, 1500? C'est pas plutôt 1800 qu'il faut avoir de def? Les malux sur les runes. Aïe aïe aïe. Là ça va, hein, c'est une rune en dur, on va rien en faire. Hein. On va rien en faire les gars. Dum-dum.
beaucoup pour les follow, les gars. Pour un Léo sans res. Ah, c'est pas bête, ça. Sauf que je vais kick la res, quoi. Mais pourquoi pas, ouais. Mais de l'attaque à la place de la res, et ça me fait une grosse rune. Ouais, t'as raison. Clairement pas con. Avoir quelques petites runes. Ok. Knack. Rajouter. Tac. La Kia, elle est pas encore full skill up, mais on y travaille. Oh. Ok, monstre 3. Ok, parfait. Vas-y, je prends. Là. Reste quoi ? Consulter la collection de monstres. Ah ouais, mais ça, c'est chiant. Ça, c'est archi chiant à faire, les gars. Ménage vampire à 22k HP, 170. Ouais, il me faut vraiment des nouvelles runes là. Bonne rune. J'ai l'impression de pas arriver à choper de nouvelles runes. Ça me trigger de ouf. Après là, l'avantage c'est que bon, maintenant que j'ai terminé de réap la fameuse dégâts crit de merde là, qui m'a pris je sais pas combien de milliards de réap, je vais pouvoir réap d'autres choses. Et j'ai pas mal de légendaires en attente là. Donc je vais me réap full violent et on va essayer de progresser un petit peu là. Essayer de se mettre yam, tu vois. Ouais, j'ai quelques vieux légendaires avec innate, donc en profite. Même s'il y en a qui ont des innate, bah, comme celle que j'ai chopée tout à l'heure, tu vois, il y en a une avec l'innate attaque pour 100, c'est pas insane de la réap, mais ça reste quand même une très bonne rune, potentiel de très bonne. Ouais, Trimmer, c'est exactement ça, ouais. Je crois que c'est la team de... C'est la team de mana. Attaque pour 100, c'est chiant, mais en même temps... Ça reste une rune légendaire avec innate. Ah ouais, Scream, bah. Un doliprane et du repos. Grenade. Prank. Ça nous a pas. Attaque de genre. Fais des semaines de session. Ouais, bien sûr. Dès que quelqu'un a quelque chose à summon, il m'envoie un petit message sur Discord et puis on passe à summon en live. Le faire c'est samedi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de préparer tout ça. J'ai plein de trucs à préparer, mais j'ai trop la flemme. C'est un peu la baise.
Mais ouais. On va s'y mettre, hein, on va s'y mettre gentiment. Yo, ton total d'eau. Tu win face à June. Yeah. 50 pierres. Comment ça, t'as 50 pierres? Je veux dire, t'as 50 invoques ou t'as juste une invoque de pierre? Pas forcément d'aider ou t'es confiné aussi. Bah aujourd'hui j'étais en congé parce que j'avais l'émission sur le mobile et je devais faire mes courses le matin. Donc voilà, 50 pierres, ah bah super. Une invoque. Imagine on chope. Vas-y, tu sais quoi? Tu m'as chauffé. Vas-y, let's go. Envoie ta Chaos, je te sortira direct. Prends un rage pack aussi, on sait jamais. Eh, franchement, j'ai vu dans le chat, les gars, vous avez été légendaires. Hein. J'ai vu des emotes, mais laisse tomber, quoi. Vous avez explosé le stream, c'était hyper cool. Ah, oh, il l'a summon. Incroyable, il nous a... Oh là là, je suis sûr que t'as rien eu. Eux, j'ai 500 pierres. Vas-y, hein, lance message Discord de Draco et on passe la summon. De toute façon, j'ai encore 20 minutes de farm à faire, parce que je suis en double mana. Donc, n'hésitez pas. Ah, je me doute que s'il avait eu Syrah, il serait en train de me spammer sur le jeu. Théo, ce qui s'est fait. Théo, par les modos, le stream. Eh, c'était beau jeu. Et ouais, sinon, je continue de travailler, évidemment. Que moi, j'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir exercer mon métier à distance. Sans trop de contraintes et de difficultés. C'est la profession qui veut ça, heureusement, mais... Mais ouais, du coup, à part le fait que je sois chez moi et que, du coup, bah, je vois plus mes collègues de boulot, mais sinon, ça change pas énormément de choses pour moi. Si ce n'est que ça me fait des journées de travail encore plus. Parce que j'ai pas les trajets, j'ai pas les pauses repas, j'ai pas les pauses café avec les collègues. Je suis non-stop devant le PC en train de taffer, quoi. Ah, mais ouais. Et je sais pas encore combien de temps on en a du confinement, mais a priori, tout ce mois d'avril, on devrait être confiné. Peut-être début mai ou mi-mai, on devrait sortir du confinement, mais c'est même pas sûr. Ça craint un peu cette histoire, mais bon. Rigole pas avec la santé. Ah ouais, sérieux les Gougas? Ah mais tu parles de ces Suzy, non? Je pense que c'est le seul que je connais et qui vient aussi sur les streams SW. Comme les Français sont disciplinés, pas sûr qu'on en sorte. Bah, c'est ce que je me dis aussi. Mais en même temps, là, tu vois, j'ai l'impression que ça commence finalement à rentrer un petit peu parce que je vois beaucoup de gens. Enfin, quand je suis sorti ce matin, par exemple, les gens, tu vois, ils étaient tous avec des masques, des gants. Il n'y avait pas grand monde dans les rues. Les gens, ils étaient juste. Ils vont au supermarché, ils rentrent chez eux, tu vois. Donc, ça commence, je pense, à être vraiment pris au sérieux et tant mieux. C'était temps. On a peut-être une petite chance, mais j'en sais rien. C'est vrai que c'est quand même complexe. Ouais, c'est clair, hein, c'est clair que la Chine et tout, ils ont... regardé hier un reportage, enfin ma femme regardait un reportage sur la différence entre le confinement à Taïwan et en Chine, je crois. Ou en Corée, je sais plus. Et les Taïwanais, c'est impressionnant le confinement chez eux, les gars. Ça a rien à voir avec en France. Hein. Genre, quand tu sors dehors, tu rentres dans un commerce, automatiquement, on prend ta température. Genre, t'as des capteurs, ils prennent ta température. T'es géolocalisé avec ton... T'es obligé de t'identifier, en fait. Quand tu veux rentrer dans un bâtiment public, t'es obligé de prendre ta température... et de donner ton identification, et il te trace avec ton téléphone portable. Genre, c'est insane, mais vraiment insane.
Et du coup, bah, ceux qui sont malades, eh ben, ils sont renvoyés chez eux, etc. Enfin, non, mais c'est incroyable. Hein. C'est genre, ils sont exemplaires là-dessus. Alors que nous, tu vois, genre, tu fais juste une petite dérogation papier, que tu sois malade, pas malade, t'as le droit de sortir. Enfin, c'est un peu à la zup, quoi. Là-bas, tu sors, il y avait des Français, ils ont interviewé des Français qui étaient confinés chez eux parce qu'ils avaient chopé le coronavirus. Ils disaient que s'ils mettaient un pied dehors, c'était 31 000 euros d'amende. Et vu qu'ils les suivaient avec la localisation du téléphone, si jamais ils sortaient dans le jardin ou dehors, en moins de 5 minutes, la police taïwanaise était devant chez eux avec le procès verbal et les 31 000 balles à payer, tu vois. Alors, c'est incroyable. Hein. On aurait eu ça ici, les gens seraient peut-être un peu plus éduqués, quoi. Sur son téléphone, ouais aussi, bon. Et sauf que tu peux rentrer nulle part parce que dès que tu rentres quelque part, ils prennent ta température et s'ils voient que t'as de la température, ils te laissent pas rentrer. Et du coup, ils disaient que grâce à ça, eh ben, ils arrivaient encore à faire tourner les écoles et les universités, etc. Alors que c'est quand même ultra risqué parce que t'es dans un espace confiné et tout le bordel. On a la petite semaine de Draco. Et ça ici, tout le monde se plaindrait de faire ce que c'est une entrée. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Mais c'est là où tu vois les différences de mentalité et tout. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est une la différence. Un cas pour la pisser dehors, c'est chaud. Bah ouais, au moins ça te dissuade vraiment, tu vois. Ça te donne pas envie de faire le con. Quoi. Alors, tac, 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 tac. Ok. Il s'est fait choper dans sa bagnole. Il doit attraper la tête avec... Alors qu'il est en jure. Ah mais ils rigolent zéro. Ils ont bien raison. Y'a que comme ça que... bah c'est comme ça qu'ils s'en sortent le plus rapidement possible. Après il y a aussi le fait que, hormis ça, nous on n'a pas vraiment... Enfin, au niveau moyen, tu vois, genre on est à l'ouest, hein, vraiment. Hein. Quand tu vois que les mecs ils ont... à Taïwan, ils disaient qu'ils avaient genre déjà prévu les rooms avec les respirateurs automatiques, machin, les trucs de ouf. Et tu vois qu'en France, on en manque. Enfin, ils ont les masques de partout, les gants de partout. Enfin, c'est dinguerie, quoi. Les mecs, ils sont trop bien préparés, quoi. Et ils disaient que c'était en partie grâce au fait que ils avaient pré-shot qu'il y aurait une épidémie, je sais pas quoi, machin. Ok.
Ouais, après en Chine, enfin peut-être que c'est pas totalement vrai, tu vois. Il y a peut-être un petit peu de bullshit sur les chiffres. Tu vois. Un vélin mystique, nice. Non, les vélins mystiques, généralement, je prends à partir de 50. Alors qu'il y a quand même un petit peu de semaine à faire, tu vois. Ah mais c'est là où tu vois que finalement on n'est pas si évolué que ça en termes de système de santé, etc. Tu vois. On a un bon système d'aide sociale, mais les hôpitaux, les gens, enfin, ça manque de formation, ça manque de matos, ça manque de budget. Et ce genre d'épidémie, bah ça met vraiment en valeur ça. Quoi. C'est là où tu te rends compte que bah finalement. Il nous manque pas mal de choses pour optimiser le truc. Alors je crois que je dois faire que les pierres, hein, c'est ça que tu m'as dit. Que t'économises. J'ai des vélins mais j'économise. Ok. Tu vises quoi? Tu vises Syrah? Est-ce que t'as les trois autres? Enfin t'as les deux autres ou pas? Enfin, attention hein, t'as ton nécropolis qui finit dans 23 heures. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit exploit en 10 pierres, 15 pierres? Pas les autres, ok, ça va. T'as déjà une belle semaine, non? Tu la gardes pour un événement en particulier? Allez, direct, direct les gars. Ouais, je suis juste le boss en fait les gars. Je crois que je suis juste un putain de fucking boss en fait. Genre deux pierres. Voilà, c'est... Voilà, c'est fait mon gars. Let's go. Bah voilà. On est bien là, non? What the fuck? Pourquoi tu fais pas sur ton compte? Bah j'aimerais bien les gars, mais vous avez bien vu, hein, c'est pas faute d'acheter des packs, d'essayer de summon, mais ça ne veut pas tomber. Quand je vous dis que la luck, je vous la réserve, c'est vraiment la luck, je vous la réserve. C'est comme ça les gars, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ah bah là c'est sûr que ma RNG, elle est ken en RTA, hein, vraiment. Hein. C'est... Je vais me faire fucked up en RTA à 100%. Hein. Est-ce qu'on continue ou pas du coup? Là, je vais me prendre 14 procs d'affilée. Ah, il a dit oui, on continue. Les gars, si j'ai un deuxième Nat 5, c'est incroyable. Putain. Deux fois de la même, mais c'est cool. On a eu un raid par contre là sur les pierres, gros, c'est plutôt pas mal, hein.
Bon bah voilà. Deux skill up Triana et un nouveau Nat 5. Je pense que t'es pas mal là. En plus, Anavel, very very good. Hein. Very very good. Et bah écoute mon gros cadeau, amuse-toi bien avec ton nouveau jouet. Hop. Tac, je me déconnecte. Et GG à toi. En vrai c'est insane hein. Deux pierres, Nat 5 les gars, c'est incroyable. Alors vraiment, je sais pas quoi dire. Anavel c'est très fort hein. C'est pas que raid hein. C'est GVG, c'est siège, c'est. Ça peut même être RTA en ce moment, on en voit beaucoup en Sandraise. Merci Draco du coup pour le sub. Ah là là. Ça régale. Merci beaucoup pour le soutien mec. Amuse-toi bien avec ta nouvelle Anavel. Fais en bon usage. Ouais, moi je prends tout, y'a pas de soucis. La capuche on, mais où est le talent? Aïe aïe aïe, merci beaucoup mon bro pour le sub, pour le resub. 8ème mois. Aïe aïe aïe. Les gars, deux secondes. Merci beaucoup, Adjun. Ouais, le talent, écoute, le talent. Il est dans le fond de ton cul, mon petit bro. Aïe, 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 aïe. La petite Barbara qui carie. Ah, je suis assez content de ce petit bonhomme. T'as pas pu mater le stream? Bah, dommage. T'as loupé le clash des titans. On a fait un BO3 avec June.
C'était bien sympa. Ça s'est fini en 2-1, je te laisse mater le stream. C'était assez tendax avec le petit bro. S'il a eu deux fois de suite le first pick Vanessa, là, ça... Ça fait bobo, hein. En vrai, le first pick Vanessa sur nos combats, il est trop déterminant. Quoi. Parce que c'est trop de pression. Quand tu prends la... Enfin... quand tu prends la chasseresse, ça me fout tellement mal. Quand tu prends la Vanessa, ça me fout tellement mal. J'aurais une Syrah, je pense que je pourrais essayer de contester la speed. Et encore, parce que ta truc est trop speed. Ouais, je pense qu'en vrai... Après, honnêtement, j'ai eu un peu de chat, hein, parce qu'elle a crit et tout, alors qu'elle a pas forcément la blinde de crit. Mais ouais. Ouais, ça carry. Ah bah, Salorène, elle est pas là pour plaisanter, ouais. Vas-y, on va faire ça. C'est quoi les piques RTA avec Odin? Alors t'as des combos genre Amelia Odin qui sont particulièrement craqués du cul. Et sinon c'est des mobs qui boostent, donc Fran, Bastet. Ah, je sais pas si j'en ai des replays. Ah, y'a Sango. Il joue Ragnar. Il joue Meta. Est-ce qu'on a des picks Odin? Bah tiens, regarde. Voilà. Tu vois, quand tu joues Odin, il faut jouer des buffers généralement. Ou il faut considérer que t'as des mobs qui vont mourir dans ta team et du coup ça va stacker ton Odin. Voilà. Ouais, du coup, attends, tu tags comment mon bro là, June? Comment ça se passe là, ta fin de saison? Parce qu'en vrai, tu vas tag en live ou hors live et on fait comme on a fait la dernière fois, la saison dernière? En vrai, moi je suis pas safe du tout, mais je sais pas trop là, je pense que je vais ruin. Il faut, à mon avis, il faut 1810 pour être vraiment safe G1 et ça va être archi chaud. Mais tu vois, je suis plus trop loin non plus. Ouais, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, hein, on le sait, mais bon. Je sais pas. En vrai, je devrais pas taguer en stream, hein, clairement pas, mais... Mais bon. Est-ce qu'on se fait une session hors live en mode... En mode hard tilt? Ok. Désolé les gars, j'avais des petits trucs à régler en off. Ok.
Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce qu'on tag en live? Le problème, c'est que là, il y a des... Là, il y a VK qui tag, je crois, actuellement. J'ai vraiment pas envie de tomber contre VK. Oh putain, il y a VK, il y a Boss. Oh là là, laisse tomber. Ok, c'est pas du tout le bon moment pour taguer en RTA, les gars. Oh, il y a Sinchet. Oh là là, la gueule. Grimper 1800 plus, vous pensez? Bah, de toute façon, c'est sûr hein, que tout le monde va rush, les gars. C'est, enfin, c'est normal, hein, c'est legit. Hein. C'est la fin de saison. Là, c'est les derniers points à prendre. Putain, regardez-moi ça, là. Fais ça off stream et focus. Ouais, je pense, les gars. En vrai, je viens de voir avec le bro, là. Il y a June qui a un peu de temps libre, qui va lancer son live. En vrai, je vais vous raid vers lui, les gars. Moi, j'en ferai un peu plus tard. Peut-être que je reprendrai un peu plus tard ce soir le live. Je sais pas. Bon, là, ça fait 2 heures qu'on live, parce qu'en fait, j'ai pu lancer plus tôt. Donc ça me va bien. Puis comme ça, on se retrouve sur son live. Je vais bouffer, parce que j'ai très faim. J'ai juste mangé un petit sandwich. Mais voilà, ouais, c'était bien cool. Encore merci beaucoup, les gars, hein, d'avoir été là sur le stream. Énorme soutien. Franchement, j'ai pas été étonné, mais j'avoue, quand j'ai vu que ça spammait les emotes dans le chat, j'étais oh putain, la capuche magique, le gilet jaune, c'est si beau. Non, ça m'a foutu grave là ce fort et c'était cool de votre part, les gars. Et j'espère qu'on aura des... Bientôt, on se vengera hein, sur les packs, évidemment. On ne s'avoue pas vaincu. Je pense qu'on va bientôt avoir un nouveau 5 nat, les gars. Je sais pas comment vous dire ça, mais je le sens. Je le sens vraiment que... que ça va bientôt tomber. Et le problème, c'est que j'ai pas de bénédiction. Donc ça va bientôt tomber, sans doute un doublon. Et puis voilà, quoi. Bah j'attends que June lance son live. Ah bah parfait, il vient de lancer. Du coup, regardez, tac. C'est juste perfecto. Grand merci à vous, les gars. Un druide, putain mec, si je pouvais avoir Taranis, ça me régalerait tellement. Ça serait insane. Un grand merci à vous, les gars. Et peut-être à tout à l'heure, j'essaierai de repasser... Peut-être que je ferai mes RTA offline entre temps. Je vous dirai ce qu'il en est. On remattra les replays ensemble ce soir. J'en sais rien. J'ai très peur de Int. J'ai très peur de perdre le G1. Mais de toute manière, il est pas safe. Donc il faut que je rejoue. Enfin bon, voilà. Merci à vous. Et à big bisous. Et à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite dans le stream de June. Puisque de toute façon, je vais dans son stream. Hein. Je vais le regarder. Tout simplement. Donc voilà. Allez, des bisous, ciao ciao les gars, à toutes.